Yo tout le monde, c'est Rico. Donc avant de commencer cette vidéo, les gens, je vous demande, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Isaac. Isaac, c'est un de mes abonnés et il est très jeune. Il fait partie du quartier de Jouromba. Donc pourquoi je lui fais une petite pub pour sa chaîne YouTube? Ben tout simplement parce que c'est grâce à lui que j'ai sorti mes intros sur ma chaîne. N'hésitez surtout pas à aller voir mes deux intros que j'ai sorties, c'est-à-dire l'intro de freestyle et l'autre intro, la toute première. N'hésitez vraiment pas à aller les voir, à les checker. Et surtout aller voir la chaîne de Isaac, c'est legamer300. Si vous savez pas comment ça s'écrit, je vous le fais apparaître ici, pas de problème. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Nous, on vous souhaite un bon visionnage à tous et bye, ciao. Et bien salut tout le monde, c'est Rico Sarka, j'espère que vous allez bien les gens comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo freestyle sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour mon troisième tuto de freestyle où je vais vous apprendre un nouveau geste de freestyle. Toujours au lower body, c'est-à-dire freestyle debout avec les pieds. Aujourd'hui je vais vous apprendre un geste très spécial. Il s'agit du crossover qui est un geste aussi basique du freestyle mais qui est assez difficile. Je vais vous montrer ce geste comme d'habitude étape par étape et j'espère que ça va vous plaire ce tuto. Donc là pour la première étape vous allez devoir laisser rebondir la balle comme ceci et vous allez vous entraîner d'abord à faire ça. Vous allez vous entraîner à croiser les jambes et taper avec votre bon pied. Donc si vous êtes droitier comme moi vous allez vous entraîner à taper comme ceci. Ensuite si vous êtes gaucher je vais vous faire une petite démo, ça va ressembler un peu à ça. Sauf que moi, comme je ne suis pas gaucher, bien sûr, ben, vous voyez, je n'arrive pas très bien le faire. Ensuite, pour la deuxième étape, vous allez le faire en jonglant. Ça donne ça. Je vous remontre ça. Hop. Et ensuite, pour la troisième et dernière étape, tout simplement, c'est de réceptionner tout simplement le ballon avec son mauvais pied. Je vais vous montrer ça en vitesse. Voilà, je vous remontre une deuxième fois. Désolé, je me suis un petit peu failli. Voilà, donc ça c'est le crossover. Ensuite, ben, n'hésitez pas à vous entraîner à faire ce geste et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, etc. Je vais vous montrer un enchaînement que vous pouvez réaliser avec le crossover. Donc voici un enchaînement. Voilà, c'était mon petit enchaînement avec le crossover. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un max de like comme d'habitude. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé de ce troisième tuto et proposez-moi d'autres tutos, d'autres figures de freestyle. Moi, je vous laisse ici et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, bye, c'était Rico. Ciao.